Moi, c'est juste une question. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que dans la religion, on dit que normalement, voilà, ça marche pas de cette façon. C'est-à-dire que si on va, si on pêche moins, donc on ira au paradis. Si on pêche plus, ben, on ira en enfer. Voilà, il y a quand même. Enfin, quand j'écoute des personnes sur qui font leurs témoignages, etc., ils parlent de niveaux. Au paradis, il y aura des niveaux. En fait, je comprends pas, en fait. Ça veut Ok. dire quoi? Pourquoi il y a des niveaux? C'est basé sur quoi? Très bonne question. Et c'est par rapport à la fidélité. Par exemple, tu vois, il y a un de malfaiteurs. Le Seigneur a été crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Il y en a un qui a été sauvé. Tu le sais. Cet homme, toute sa vie, durant toute sa vie, a fait n'importe quoi, a péché. Et juste avant de mourir, il a confessé ses péchés, Dieu l'a sauvé. Et cette personne-là, au ciel, ne pourra pas, Dieu étant juste, ne pourra pas être au même endroit. Je veux dire, elle ne pourra pas être récompensée au même titre que Paul, que ceux et celles qui, durant leur vie, servent le Seigneur, ont servi le Seigneur, parce que Dieu est juste. Tu vois, non? Donc c'est juste par rapport à ça. Voilà. C'est pour cela que vous qui vous convertissez aujourd'hui, je veux dire, étant jeune, c'est une grâce quand j'entends, quand nous voyons des jeunes de 14 ans comme ça, de 13 ans, 12 ans, 10 ans, qui suivent le Seigneur, à qui Jésus se révèle comme ça, et qui mettent de côté, n'est-ce pas, qui abandonnent le péché, et malgré les critiques des amis à l'école, malgré de l'opposition, tout ça, ils continuent à suivre le Seigneur. Imaginez. Au ciel, vous allez être beaucoup couronné par rapport aux gens qui se sont convertis 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de mourir. Et c'est pour cela que c'est vraiment une grâce pour vous d'être converti à cet âge-là.